Hello les garçons! Yo tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Ça va super! Et vous, on espère que vous allez bien aussi! Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Un Cut the Flow Challenge! Édition Magic Sand! Voilà, c'est ça. Gros blanc! C'est ça. Gros. Quel est le concept? En gros, on avait déjà fait un Cut the Flow Challenge. Ouais. C'est une grosse montagne de farine. Ouais. Il y a un truc dessus. Ouais. On va devoir la découper un petit peu. Ouais! Si objet tombe, t'as perdu. Ah. Voilà. Et là, sur présentation, on va faire avec du sable magique. Ouh, trop stylé. Ça va être méga satisfaisant, je suis trop impatient. Mais justement, pour s'échauffer, on va faire du barbecue Néo avec ces magnifiques ustensiles. Ok, donc c'est parti, je suppose. Chifoumi. Ah oui, Chifoumi. Chifoumi. Swan, t'as vu mon t-shirt là? Il est stylé, hein? Ouais. T'as mis un popcorn là? Le mien aussi, il est trop stylé. Oh, le tien, j'adore. Franchement, les flammes bleues là, c'est un flot de fou. Mais attends, il vient d'où ce t-shirt? Bah, il vient de swashop.com. Mais les potes, allez voir, c'est méga stylé. Bah oui, c'est génial. La nouveauté. Et ouais, nouveauté. Il vient d'arriver celui-là, ouais. Okay. Bon, Chifoumi. Chifoumi. On est à vous. Ouais, pouce bleu power, les potes. Mettez un max de pouce bleu avant qu'on commence. Bon, on fait. Chifoumi. Chifoumi. Yeah. Ouh. Oh. Pour l'instant, on est pas mal. J'ai à peine galéré. Non, on est pas mal. J'ai à peine galéré, je sais pas si on peut dire ça. Ok, c'est parti. Ça va tous renverser. Non, c'est bien. Oh, c'est trop satisfaisant. Oh, c'est génial. Oh, mon challenge préféré. Et c'est magnifique, hein. C'est tellement parfait, c'est tellement lisse, c'est tellement. Oh, c'est dur. C'est tellement. C'est méga satisfaisant. Mais vu qu'il y a des paillettes. Il y a des paillettes, oui. Non, mais il est trop beau quand même. Ok, du coup, premier round. C'est ça qui commence, du coup, j'ai le seum. Pour le premier round, voici l'enjeu. Donc, ça, c'est la nouvelle collection. Je vous laisse le positionner. Oh, ah oui, stylé. Voilà. Okay, le premier qui fait tomber le sachet, le père. Du coup, c'est moi qui commence. Ok, allez, vas-y, San. Tu prends pas de risque, toi, j'ai l'impression. Oula, par contre. C'est difficile. Oula, vas-y. C'est bon, c'est un mini morceau. Bon, allez, je vais découper le gros tas. Wow. Non, mais là, on est encore là demain. À toi, San. Oh, le bruit. Le bruit est tellement. C'est des ASMR. Ouais. Non. J'adore. Oh, on est d'accord que c'est encore plus satisfaisant que la farine. Mais c'est mille fois mieux même. C'est... Non mais c'est trop bien. C'est trop bien. C'est magique. On dirait un gâteau géant. Tu parles de gâteau, Swan. C'est appétissant. Tiens, Swan, je te sers ça. Oh. Mais non, t'as pas le droit. Il coupe un endroit que j'ai déjà découpé. Non, il a dit. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai pas compris moi. On dirait trop les gros gâteaux d'anniversaire. Ça sent super bon en plus. Ouais, les gâteaux, les rainbow cake un peu. Ouais. Non. Voilà. Bouge. Je vous montre de très près ce que ça donne et effectivement c'est méga satisfaisant quoi. La matière elle est mais incroyable. Attendez, je vais en prendre un bout là. Et ça fait tellement pas comme la farine tu sais. Là c'est vrai ça fait du sable et en même temps ça redurcit et tout. Mais c'est trop bien. Si beau. Du coup Swanou. Ouais. Désolée de t'interrompre mais Le Swan il va jamais s'arrêter Swan. Il est là pour ça le Swan. Tu remportes le premier cadeau. Ouais. Tadam. Et un point pour Swan. Bien joué. En fait, on sait pas trop si on est sur un challenge cut de flore ou si finalement on fait simplement du sable magique. Ouais, c'est un peu les deux là. Oh, c'est trop beau comme ça. C'est trop beau. En fait, c'est encore plus beau que le premier round. Ouais. Non, mais les couleurs, j'adore. Ouais, j'adore. Les couleurs préférées. Oh, non, mais c'est trop beau, hein. Wow. Magnifique, hein. En fait, vous faites des œuvres d'art à c'est chaque ça, round. Hein, littéralement. Mais c'est des œuvres d'art. Bon, alors, vous êtes prêts pour le deuxième objet? Let's go. Pour le deuxième round, voici l'objet à faire tomber. Donc là, l'objectif, c'est de le faire tomber. Alors, bah non, l'objectif, c'est de ne pas le faire tomber. Parce que oui. Celui qui le fait tomber le subit. D'accord. Voilà, je comprends bien maintenant. Ready? Allez, c'est parti pour Néo. Oula, attends, il va faire direct. Oh la belle tranche. Moi je vais montrer un petit prudent. Plus prudent que moi déjà. Oula, Swan ça va? C'est un petit power. Force, hein. Allez Swan, les muscles. Ouais. Ah, ce que j'ai envie hein. À mon tour. Oula, ça bouge. Au tour Swan. Oh non. T'es déjà en train de s'écrouler Swan. Non Swan. C'est Néo. Bah non. J'avais pas fini de couper quand il se trouvait. Bah justement t'as pas fini donc c'est toujours à ton tour. Regardez. Mais non, c'est pas ça. Si, c'est à ton tour, Swan. Swan qui essaie de contrer le citron. Néo, c'est le dernier qui. Néo, c'est le dernier ouais, qui a Néo, touché le machin, truc. Non, t'as perdu. Tu récupères donc ton cadeau. Une bonne bouteille de citron.
Une bonne rasade. Ton cadeau. Attention. Voilà. Ça va, hein, ça a l'air d'aller. Ah, tu veux des petits pois? Je veux bien. Ah, troisième round, alors. Bien tout assez, là. Non, pour le moment. Et voilà. Alors, voici ce qui est à gagner pour le troisième round. Je suis riche. Est-ce que vous savez ce que c'est? De l'argent, bien sûr, en sachet. C'est des bonbons. Des serviettes. Ah non. Ah, c'est des serviettes. Bon, je te le laisse. Hein. C'était juste le petit moment où vous vous êtes dit on va gagner 100 dollars. Non. Je commence. Allez, Swanush. 100 dollars en jeu, Swan. Et oui, quand même. Swan, ça ne rigole pas. Oh là là, Néo, l'énorme morceau. Néo, il est confiant là. Voilà, à ton tour, Swan. Donc, on est d'accord que pour le gagner, il faut ne pas le faire tomber. Ouais. Ouais, c'est ça. À ton tour, Swan. Je suis stressé là déjà, c'est en train de se casser. Ton tour, Swan. Ça te dissout. Dépêche-toi, Swan, dépêche-toi. J'ai coupé un morceau. Arrête. Je suis très tombe devant en fait. Ton tour. Je l'ai l'air. Ton tour. Et voilà. Il avait tombé en coupant. Swan n'avait pas touché le monticule. Le dernier à l'avoir touché, c'est toi. Non mais. Et il est tombé. C'est juste qu'il a pas un bon temps de réaction, Swan. Non mais. Non mais dans ce genre de choses, je peux juste attendre qu'il tombe ensuite. Donc non. Le dernier à l'avoir touché, c'était toi. Donc c'est toi qui a provoqué la chute. N'importe quoi, ça compte pas. Arrête de tricher. Du coup, le point va à Swan, ainsi que le petit paquet. Les abonnés. Je compte sur vous. Je compte sur vous pour dire ce qui s'est vraiment passé. On est d'accord qu'il triche, voilà. Ces deux-là. Oh, c'est bien, c'est joli. Alors on a énormément cassé. Il va être super long celui-là, j'ai l'impression. Vous êtes prêts? Ouais. Ok. Ok, juste avant. Tu viens sourire? Oh, c'est chaud. Smiley. Pour l'objet suivant. C'est une blague. C'est un pot de nourriture pour poisson. Alors, on a tous eu des potes comme ça qui adoraient la nourriture pour poisson. Non, pas du tout. Celui qui fait tomber la boîte la remporte. Je commence. C'est radical. Ça te fait pas une nourriture pour poisson? Je comprends pas, j'aime pas trop. Oh, c'est trop satisfaisant. Je suis désolée, mais pour des raisons de construction, on va devoir détruire tout ce maillet. Non, mon smiley. Non. Allez, une petite tranche de sable. Voilà. Pour moi, une petite aussi. On a vraiment pas envie là. Là, ça se voit qu'on a pas envie là. Et oh. Mais il a tranché deux fois. Désolé, vous avez permis. Ça t'arrange, non? Il en a mis plus. Oula. C'est une prépare l'intérieur là. Attention. On dirait des falaises. Ouais, j'avoue. Oh là là, je suis pas serein. Doucement. C'est justement en faisant des mouvements très brutaux comme ça que. Voilà. Mais Swan, allez, joue. Mais maman, c'est la triche. Il triche, Swan. Il triche. Mais oui, mais attention. Mais... Et là, toi, tu triches pas, non? Allez, non, non. À toi. Non. Tu as donc remporté une boîte de nourriture pour poissons. Merci, je vais pouvoir la donner à mes poissons, ça tombe bien, c'est pas en plus. Il va falloir consommer l'intérieur. Je suis pas un poisson. Il faut prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, il y a quoi? Oh non, c'est une blague. Pensais trop que c'est la nourriture pour poissons. C'est toujours plus petit en fait. Pop. Non. Let's go. Yes. Non, mais je suis trop content. Non, si je veux finalement. Yes. Ouais, ça nous a bien eu, franchement. Surprise! Mais je suis refait, je suis trop content. Qu'est-ce que je veux? Du coup, Néo, tu remportes une figurine pop. Yes. Elle arrive. Oh, stylé! Néo, tu peux ouvrir les yeux. Attends, c'est quoi ça? Yoda? Concept série. C'est marrant. Ah, c'est Yoda des comics, j'ai l'impression. Oui, c'est Yoda. Concept série. Ah, c'est méga stylé ça. Du coup, Néo, tu remportes un premier cadeau. Yes! Ta-da. Et donc, un deuxième point. Ça fait deux partout. Wow. Non. Et nous passons maintenant au cinquième round. C'est parti. Tu as tellement bien tassé que t'arrives pas à sauver. Voilà. Ah, ok. Et c'est tout petit comme ça, il y a du suspense. Ça dure longtemps. C'est parti. Alors, j'espère que vous l'avez vu. Oh, attendez, je vais pas montrer de près. Poup. C'est parti. Désolé. Le petit canard. Oui. Donc bien sûr, pour gagner le canard, il ne faut pas le faire tomber. Oui. Énorme morceau pour toi. Je sais pas s'il va y arriver. C'est super bien. Et on se met au plus gros morceau direct. Voilà.
Le bail, c'est vraiment un gâteau quoi. C'est vraiment un rainbow cake. Non, toi t'as déjà goûté un rainbow cake? Bah bien sûr, c'est super bon d'ailleurs. On a déjà mangé plein de fois du rainbow cake. Moi je sais pas en avoir mangé. Ah bah tu regarderas les vidéos. Voilà. C'est toujours la technique avec ça. J'aurai ce canard. Coucou. Non, c'est moi qui aurai. La bataille du canard. Ouais. Ça penche dangereusement. Je vous le dis, c'est la tour de Pise là. Allez, ça vient toujours. Qu'est-ce qui t'attend? Oh là là. J'ai gagné. Let's go. Alors, certes, c'est un canard, mais ça va forcément plaire à Méo. C'est super stylé. Oh. Dalsim. Yeah, c'est Dalsim. Dalsim. Non, c'est Dalsim. Dalsim. Ça va, il te plaît aussi à toi? Ouais. Alors, il est trop trop marrant. Du moment que c'est Street Fighter, ça plaît aussi bien aux grands qu'aux petits. Exactement. Et du coup, Néo, tu marques un point supplémentaire. Tadam. On voit de moins en moins les différentes couleurs en fait. Ah, j'avoue hein. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je voulais prendre un petit bout, Swan. Ça te dérange pas? Swan, c'est à ton tour, c'est bon? Non. Attends, faut que tu l'enlèves complètement là. Attendez, j'attends que ça stabilise. Non, non, mais... Attends, c'est quoi, c'est ce que... Enlève ton morceau. On les veut. Oh là là, Néo. Mais Néo, est tricheur là. J'ai enlevé mon morceau. Tu vois, regarde. Je l'ai enlevé. Oh la blague. C'est bon, j'ai enlevé mon morceau. Autour de Swan. Ok, oui, c'est vrai que ça tient pour l'instant. Swan. Oh, on t'a perdu. On sait pas ce qu'il y a dedans. Prends un cadeau à ton adversaire. Non. Entre parenthèses, quoi? Choisis, mais vas-y, mais non. Non, non, Dalduck, non, Dalduck, non. Où Swan, Swan, prends cette épée. D'abord, t'essayes. Je sais pas comment je vais aussi, Arnaud est bien plus fort que moi. Dans une bande dessinée qui Oui, c'est peut-être ça. Hein. Et comment ça s'appelle cette BD déjà? Ce serait pas Soyez Néo? Soyez Néo, je crois. Hein. Ouais. L'aventure. Mais oui, ce serait pas la légende de Mysteria. C'est ça, hein. Mais oui, hein. Il me semble que ça me parle. Hein. Mais elle est pas encore sortie, c'est des aventures. Comment vous la connaissez? Peut-être parce que on l'a écrite cette BD. Oui, je crois, hein. Peut-être. Donc, effectivement, vous verrez bientôt dans la nouvelle BD de Swan et Néo, la légende de Mysteria, une scène qui ressemble à celle-là. Exactement, fortement. Bon, du coup, on est à 3 points partout. Yes. Ouais. Et donc, égalité parfaite, hein. C'est serré, hein. C'est serré, c'est tendu. Je vais te soigner, ouais. Swan. Et nous passons au 7ème round. Pour le 7ème round. Les Pringles. Voici les Pringles. Ce qu'il faut. Alors, il est 9, donc il n'y a rien d'autre. Ah, c'est vraiment de Pringles. Allez. Donc, bien sûr, pour gagner la boîte, il ne faut pas qu'elle tombe. On est d'accord, hein? Oh oui. Ouais. Miam, miam, miam. Allez, Léo. Une tranche de sable. Il y a déjà du sable qui tombe. Hop là. Oh là là, que c'est joli. Ça donne faim, en fait. Ouais, vraiment. On dirait un gâteau mousseux, tu sais. Mmh. Ça se fissure, hein. Fort, ouais. Je vais pas dire, mais ça se fissure beaucoup. Oh là là, Léo. Bah non. Mais si, j'ai tranché avant. Non, bah oui, tombé. Mais il était à toi. C'est toi qui l'as fait tomber. Oui, t'es en train de contrer ton propre argument que t'avais utilisé au début de la vidéo. C'est toi qui l'as fait tomber. Donc c'est Léo. Swan, donne au meilleur, s'il te plaît. Donne un Pringles au meilleur. Eh, mais attends, Léo. Merci. Allez, je vais les déguster d'ailleurs. J'ai faim, en fait. C'est bien. Hey. On va être sérieux là. Alors, Léo, qu'est-ce que tu as? Dommage, rien. Dommage. Tu n'as rien gagné et c'est Swan qui remporte le poids. Swan, t'as faim? Tu veux des Pringles? Ouais. Du coup, 4 points pour Swan. Et 3 points pour Néo qui a un somme monumental. C'est trop ouais. Non mais, vas-y. Allez, courage Néo. Nous attaquons maintenant le 8ème round. C'est parti. Voici ce qu'il y a à faire tomber. Attends, quoi? C'est quoi ça? Vous le reconnaissez? C'est Henri Potter? Quoi? Henri Potter! S'il ne tombe pas, vous remportez un cadeau. Oh! Harry Potter. Génial! D'accord. C'est trop bien ça! Ok, c'est parti! Rendre Néo en sueur pour la figurine. Mais c'est pas grave, il va rajouter un petit peu de sable. C'est ça, c'est rien! S'il te plaît. Wow! Allez, une belle tranche. Amassable. Oh là! Zut! J'ai coupé du mauvais côté! À ton tour! À ton tour! Il est en train de s'enfoncer, je crois, non? Ton tour?
Je suis mort. Pourquoi vous jouez si vite d'un coup là? Qu'est-ce qui se passe? Mais on voit là ça? On voit les fissures qui commencent à apparaître. Oh là là! Yes! Léo, c'est toi! C'est un gros tas de swan. Léo, c'est toi! Il est tombé! Oh là là! Du coup, c'est effectivement un point supplémentaire pour Swan. Déjà, Swan passe à 5 points. À 3. À 3 pour Néo. Donc Néo, il va falloir te dépêcher. Je vais te soigner. Ouais. Et Swan, je vais te chercher ton gros cadeau Harry Potter. Oh. Tu peux fermer les yeux. Oh. Alors, on a dit un gros cadeau, hein. Ah oui. Vas-y. Tiens, Swan, tiens, lui là. C'est lui ça. Oh. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est une nouvelle édition en fait. C'est des mini pop, des mini moments. Ah ouais, c'est bizarre ça. Ah d'accord. Tu as la classe de potion. Ah ouais. Donc qui c'est qui se fait exploser la figure c'est, comme ça? C'est Ron? Non, Neville Longdubat. C'est Neville Longdubat. Et en fait, c'est une, voilà, une collection où il y a plusieurs salles et plusieurs personnages. Voilà. Et donc là, c'est Neville Longdubat dans la salle de chimie. 9e round, c'est l'avant-dernier. Néo, okay. Tout va se jouer là. Attention, sérieuse. Allez, il y a 5-3. On se dépêche. Pour le 9e round. Un eggs. Oh, oui, un egg de pack. Non, oh, c'est Sun qui l'a. Oui. Ok, c'est mon tour. Il est confiant. Bien. D'accord, très bien. Bah écoute, je vais faire pareil. Hein. Fais des raccourcis. Néo fait des lamelles lui. Il se méfie de l'œuf, Néo. J'ai l'impression qu'il a pas trop envie de l'avoir. C'est bon. Ok, tu joues à ce jeu là maintenant. Eh vas-y, moi aussi je vais te gagner. Voilà. Ton tour. Allez, ton tour. Non, j'ai gagné. Un énorme tricheur. N'importe quoi. Vraiment un énorme tricheur. Mais c'est toi qui as touché la structure en dernier. Donc quelle mauvaise foi. Je me doute par contre. Ça, c'est, en fait, c'est dans les règles, mais c'est pas fair play. Voilà. Donne un cadeau à ton adversaire et choisis. Voilà. Hop, le karma, Swan. C'est ça le karma. Eh bien, Swan, je vais prendre le cadeau le plus sage de ton attirail. Du coup ça te fait gagner un point Néo. Puisque finalement évidemment c'était un mauvais tour pour Swan. Oh, quoi c'est faisant. Donc Swan tu as 5 points. Néo tu as 4 points. Et il nous reste un round. Regardez mon œuf. Oh. Tadam. Attends ils sont à portée. Oh, c'est joli, hein. Hein. Tu vois pourquoi je sens que ça va mal finir. Ça, il me dit promis, je casse pareil, il est déjà cassé. Ouais, et attention, bon, il est pas cassé. Tu fais une omelette, c'est ça? Je veux le faire, je veux le faire. Non, non, c'est moi qui le fais. Mais non, mais il a. Non, il a déjà tout cassé. Il s'est déjà cassé. Je voulais faire ça, moi. Aïe! Oh, 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 le bruit. Je croyais que ça allait faire comme un œuf. Alors, donc, c'est à moi de commencer. Et tu vas jouer pour quoi? Dépêche-toi! Ok, le gros lot. Donc là, c'est pas comme tout à l'heure avec le petit sachet de mouchoir serviette là. Là, c'est le vrai billet. Un vrai billet de 100 euros. Non, c'est bien, Swan. Ok, là, je rigole plus. C'est bon, là, je rigole plus. C'est parti! 100 euros. Ok. On vous entend plus. Non, hyper concentré là. Là, c'est la finale, les amis. Alors, on est d'accord que pour gagner le billet, évidemment, il ne faut pas le faire tomber. Ouais, ça commence déjà à s'enlever. Ça détruit. Swan, il est carrément à genoux sur la chaise là. Il donne tout ce qu'il a. Oh là là, oh là là, oh là là. Il a bougé là. Oui. Il a bien bougé. D'accord, ok, j'ai compris. En gros, il y a des parties du sable qui s'auto-détruisent. Oui. Et oui, genre, ça y est. On a bien vu. Ça se fissure en haut. Oh, le billet bouge, attention. Tais-toi, Captain Pardon. Ça se fait à ton tour. Swan. Non. Let's go. Yes. Yeah, son tour. T'as triché, Néo. Oui, t'as triché. T'as pas laissé le billet tomber. Ah oui, ça se joue à quelques secondes, donc forcément. Non, mais t'as lâché ton... Quoi, Swan? T'as lâché ton tour. Yes. C'est qui a gagné 100 euros? On va dire que c'est Néo. Yeah, j'ai gagné le point, let's go. Mais quand même, vous nous direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette méthode. Je sens le bonheur de la défaite.
Respire le fort là. Certes, il y a le billet de 100 euros, mais, vous terminez. Égalité. Égalité. Donc, je suggère que vous mettiez tous vos cadeaux en commun. Ok, bon. Doc. Non, pas du tout, non. Bah, vous terminez. Ok, Doc. Non. Bon, allez, plus sérieusement, Swanouche, il te reste une surprise à ouvrir du coup. Ouais. Ah oui, le sachet Lego, j'avoue. On n'a pas vu ce qu'il y avait dedans. Eh, bon, on va vérifier. Dis-nous tout, c'est parti. Alors, on a écrit. Le casse-noisette, let's go. Non, c'est vrai. Je voulais trop. Mais c'est une collection de Noël ou c'est comment? Non, c'est une collection costume. Oui, alors, je te dis, c'est une collection de Noël. Non. Il y a un casse-noisette, une petite fée qui tient un sucre d'orge, ouais. Un bonhomme de neige, un renne. Ouais. Mais tu as raison parce qu'il y a aussi un robot, un perroquet. Le loup, un perroquet. C'est la dinde de Thanksgiving avec une citrouille. Il y a aussi un capitaine de bateau, un chevalier avec un faux cheval et un dragon. Voilà, donc effectivement, on est plus sur des costumes. Voilà, j'ai fini. Costume de carnaval. Il est mignon. C'est vrai qu'il est sympa. Très bien. Présentation Léo. Et c'est la fin de ce challenge avec voilà. Une égalité parfaite entre ces messieurs. Mais j'ai quand même gagné 100 euros. Oui, quand même. Voilà. Oui, bon. Égalité, mais on a dit, on met les cadeaux en commun. Bah non. Toi qui t'es dit ça. Y'a que toi qui t'es dit ça, Swanon. Bah dites-nous dans les commentaires si vous pensez qu'il faut mettre les cadeaux en commun. Non, mais comme ça, au moins c'est une question globale. Est-ce qu'il faut mettre les cadeaux en commun ou pas? Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de triche, il me semble, dans ce challenge. Bah, oui, c'est vrai. Surtout du côté de Swanon, franchement. Ouais, surtout du côté de Léo. Donc, est-ce que vous pensez qu'en mettant les cadeaux en commun, ça aplanit toutes les tricheries de ce challenge? Si tu me donnes pas ton canard, je te donne pas ce casse-noisette. Attention, hein. Oh là là. Et c'est Lego. La menace suprême. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est trop bien. C'était mieux ou moins bien que la farine? C'était beaucoup mieux. Franchement, Magic Sand, moi j'ai adoré. C'est vraiment trop bien. En tout cas, les potes, on espère que la vidéo vous aura plu. Pensez aux pouces bleus. Et surtout, point gros. Bisous. On vous. Zada. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye bye. Plein de bisous. Nous sommes. À la prochaine. Et maintenant, nettoyage. Ouais. Pour vous. Quoi? Ciao, bye bye.